Ali envolé. Moi-même, puisqu'on se livre beaucoup aujourd'hui, moi-même, je dois bien vous dire que tous les matins, d'un ton impératif, la soif me dit « Viens, mon petit bonhomme. Viens avec moi. Prendre l'apéritif. » Et moi, j'y vais. Tant je suis faible, en somme. En général, j'ai la gueule de bois. Étant toujours un peu bu de la veille, je reste donc à cela que je bois, indifférent, ainsi qu'une bouteille. Ce sont hélas des produits hasardeux que tour à tour j'anise ou je cassisse. Et tôt bientôt, après une heure ou deux de ce verdâtre ou jaunâtre exercice, j'ai l'estomac comme un vrai macadam. Et dans mon crâne où charbonne la lampe de ma raison, je crois sentir un tram qui va, qui vient de l'une à l'autre tempe. Bien entendu, faut-il d'autres motifs, mon appétit se ferme, loin qu'il s'ouvre, trahi qu'il est par ses apéritifs. Le lundi, certes, est moins fermé le Louvre. Je sors du cabaret, dans quel état sombre, hargneux, le cœur d'un vague extrême. Je voudrais bien que quelqu'un m'embêtât, qui secourait le dégoût de moi-même. Et je songe, en promenant mon ennui de ci, de là, ventre flou, tête close, dire qu'hier j'étais comme aujourd'hui. Et que demain, ce sera même chose. Ce que d'ailleurs je ne m'explique pas. C'est que j'ai beau 100 fois changer de route, toujours, toujours, je reviens sur mes pas et me retrouve, et sans que je m'en doute, comme attiré par quelque hameçon, chez mon bistrot, pour monter de 5 heures. Là, je demande une absinthe au garçon. En me disant, vieux pochard. Tu m'écœures.